Ah yes, je suis mute. Super. Comment ça va? Ça va bien, Mehdi? Salut Serenity, ça va? Est-ce que la notif Didi est ok? Je vais vérifier, mais je suis sûr que tu vas me répondre avant. Et mute, c'est bon. Et vous mettez 4 minutes 7 à me dire ça. Eh ben bravo. Bravo, je vous félicite pas. Bravo. Franchement, vous méritez que ça. Hop, salut, c'est ciao. Au revoir. Ah, vas-y, c'est pas drôle. Mais direct. Moi, j'ai eu aucune notif, j'ai eu des bugs nets. Ah ouais? Ah, des bugs de net. Ok. T'as eu aucune notif? Eh bah, bravo. Et du coup, tu t'es dit, ah, peut-être qu'en fait, il est en ligne. Eh ben, écoute, c'est une bonne modo, ça, c'est une bonne petite patoune, ça. Comment ça va, Sanity? Ça va, Mehdi, merci. Du coup, je disais que... oui, j'étais voir directement sur Twitch. Je disais que, en fait, ben, je viens de rentrer et je lance maintenant parce que comme ça, on a 1h30, peut-être 2h, je sais pas, on verra. Et voilà. Et quand je suis arrivé au taf, à la maison, bah, j'avais des collègues qui m'ont demandé de faire des trucs. Donc en fait, je viens de terminer. Et j'ai envoyé mon offre de prêt au vendeur aussi. Donc ça va. Ça avance, c'est cool. Ça va, vous, de votre côté? Ça va, séance Jack-Jack avant de faire mes cheveux pour demain. Ah bah oui, faut que tu sois parfaite pour demain. Trop bien. Franchement, Jack-Jack, tu te mets bien. Et toi, et Toto et Miniquette, Pablito Sanchez? Alors, moi, ça va. La journée était très longue, mais pas chiante. Elle était bien. Il faisait frais. Je suis allé au taf. J'étais quasi seul. C'était bien. Tokyo, bon, il va bien. C'est toujours un petit con, hein, franchement. Et Pablito Sanchez, il va bien. Ma mère est là ce soir. Et justement, on essaye de voir. C'est pour ça qu'en fait, j'y vais assez tôt. Ah, c'est nouveau ça. Manger avec elle parce que. Elle a demandé à mon petit frère de lui donner son médicament. Qui doit prendre tous les jours, et comme elle est pas là ce soir, bah voilà. Et donc s'il y arrive pas, parce que c'est quand même un peu galère, et ben elle rentrera du coup pas trop tard pour lui donner ce soir. C'est pour ça que... Voilà. Mais apparemment ça va bien. Ça va bien. Donc j'ai pas eu le temps de faire le sémantics. Si après nos missions du jour, si tant est qu'on finit les missions du jour, il reste du temps en live, ben
On essaiera si vous voulez. C'est à quelle heure ta journée porte ouverte demain? Alors attends, qu'est-ce qu'il veut lui? Caresser. Ah super les nouvelles, encore tout plein de courage au petit chat de ta maman. Ouais. Après c'est mon petit chat aussi hein. Bon, c'est vrai qu'il vit chez elle et c'est elle qui s'en occupe au quotidien et pas moi, et voilà, mais je considère comme mon chat. Hein. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Une chenille optimiste. J'ai vu un adorable oiseau fantôme en ville l'autre jour. Le pauvre était affamé, personne ne s'occupait de lui. Malheureusement, je ne sais pas ce que mangent les animaux fantômes. Heureusement, je suis une experte en cuisine positive. La cuisine positive. Grâce à mon instinct de boulangère, j'ai établi une liste d'encas pour animaux. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je vais te le dire, rien. Ah, il me faut des légumes verts. Ah bah. Et aussi une cuillère de sel. Et ça, j'obtiens ça où? Achète ceci à la boutique de kit. C'est de 10h à 15h, donc je dois être sur place à 9h. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi je peux plus bouger? Ma manette est déco. Ah, il y a un oiseau. Ah oui, 9h quand même. Putain, bah courage. Oh, mais toi, c'est vrai qu'en fait, non, tu seras déjà levé. L'oiseau, il me suit. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai oublié mon badge aujourd'hui. Je me sentais nu. C'était... Ah, mais c'est un canard. C'était horrible. Mais au final, à la cantine, elle m'a dit « Ok, t'inquiète, je te retrouve sur le logiciel. » Oui, je sais, mais comme tu sais que je parle de lui et pas de Tokyo, oui, par écrit, c'est vite l'équipe, Froco. T'as raison. Non, mais t'as raison d'être précise. Du coup, tu vas craquer pour ce jeu, Serenity? Ça va, la musique, vous entendez? Non, attendez, je vous ai pas remis. Ah si, c'est bon. Et Mehdi, alors, tu racontes quoi? En fait, c'est un canard, c'est le canard. Il est trop mignon. C'est le canard qui a évolué, qui a éclos, je veux dire. C'est quoi? C'est une noix? Mais j'ai pas. Est-ce que je peux t'aider? Ah, je vois que je suis redevenu bleu et transparent. C'est comme si je portais un panneau fluorescent. Regardez Jérémy Rocaille, il a vraiment raté sa vie. Ça me met en colère, vraiment je boue de colère. Tellement que je pourrais faire fondre du métal. Ah bah vas-y, viens. Wouah, qui aurait pensé que la colère fantôme serait capable d'alimenter un fourneau? On peut faire des lingots maintenant, c'est vraiment décourageant. Je pensais que donner ces outils me permettrait de me racheter, de me libérer. Quand j'étais en vie, j'étais un artisan extrêmement méticuleux. Et maintenant je suis un fantôme, sans doute parce que j'ai laissé quelque chose inachevé. De quoi s'agit-il? Je sais pas, j'hésitais encore, il est dans ma liste. Mais si je craque, ce sera quand il sera en promo. Ouais, ok, je vois. En ce moment, ce que t'as te suffit, quoi. Faudra qu'on voit ce qu'on peut faire comme prochain jeu après ça. Ah, peut-être potentiellement Yonder, hein, je sais pas. Voilà. Bah tranquillou, ce matin, de 8h à midi, épreuve de français, c'est plutôt bien passé. Ah bah super, la fameuse épreuve dont tu nous parlais hier. Eh bah super, bah bravo, GG mon gars. Et d'ailleurs, faudra que... Je sais plus si c'est Oramni ou... Ouais, c'est Oramni. Avec son autodictée, là. Avec les profs fainéants. C'est quand même dingue. Oui, parce que je joue quasiment plus pour l'instant. Ah oui, tu joues pas du tout? Ah, rien du tout? Et jamais trop tard pour se mettre au scrapbooking, ouais, ça tu me l'as déjà dit. Oui. Donc maintenant, avec du bois, je peux fabriquer des lampes. Ah, ça c'est génial, c'est-à-dire que je vais pouvoir étendre mon territoire plus facilement. Salut Diablinte, tu as enfin commencé Cozy Grove? Bah oui, t'as vu, ça fait un bail, hein. Tu vois, ça prouve à quel point Diablinte, je l'ai depuis longtemps. Parce que... ça fait quelques temps que t'es pas passé et on en avait parlé avant que quelques temps tu sois pas passé. Donc je l'ai vraiment depuis grave longtemps et on a enfin craqué récemment. Parce que déjà on prend du temps et voilà. Hello Dancha, comment ça va? Ça va bien?
routine SNH de l'île Château, c'est tout. Ok, bon, bah écoute, si ça te convient. Oui, mais de toute façon, on a des périodes. Hein. Tu sais, moi, là, il y a une semaine, j'avais envie de jouer à rien. Hein. Et au fait, à propos de Dancha, ça me fait penser, j'ai goûté le tartare hier et c'est trop bon. Hein. Ça a le goût de tartare, en fait. c'est tout. Sauf que dedans, il n'y a pas de lait. Mais j'ai envie de reprendre Pokémon Snap. Ah oui, Pokémon Snap. D'accord, carrément. Bah pourquoi pas, en plus il y a eu des mages, non? Très peu dormi, mais en forme. Bah écoute, c'est le plus important si t'es en forme, Dancha, en soi. C'est... Tant mieux. Moi je dors peu, je suis pas en forme. Hein. Déjà quand je dors bien, je suis pas en forme. Est-ce que je peux t'aider? Je te regardais creuser d'un parage de l'intrépide. Je voudrais pas critiquer Jérémy, mais la paix qu'il t'a donnée a l'air un peu fragile. Ah, il va me filer l'appel... Silver. D'argent. Il n'a jamais été vraiment formé à l'aventure. Il ne sait pas utiliser l'esprit pour renforcer un outil. Ah oui, l'esprit pour renforcer un outil? Tu n'as pas à avoir honte. Beaucoup de scouts n'apprennent jamais à faire ça. Heureusement, j'ai l'expérience sur la matière. Voici une liste de matériaux. Apporte-les-moi et je te fabriquerai une pelle capable de creuser un cratère en quelques secondes. Rien d'urgent, bien sûr. J'ai toute une théière à siroter en attendant. Une théière avec du lait d'amande? C'est excellent le tartare. J'ai fini... Hier soir un pot, heureusement je les achète par deux. Ah bah hier j'ai pas fini le pot que j'avais commencé, mais quasiment. Mais de toute façon j'étais pas affamé, mais ouais j'ai quasiment fini quoi. Ah non c'est vraiment bon. Mais de base le tartare j'adore, mais là c'est on parle de tartare végétal, c'est ça qui est intéressant. Ah mince je lui ai fait peur. Salut Julia, ça va bien? Waouh. Comment tu te sens? Aucune idée, j'ai pas suivi l'acti du jeu, j'ai pas envie de... Mais j'ai envie de reprendre des photos. Ah oui. Au fait, je crois que t'étais pas là pendant notre live de Toem Serenity. Est-ce que tu l'as regardé ou pas le replay? Parce que ce jeu-là, c'est un jeu où on prend des photos. Et c'était vraiment un giga coup de cœur. Hein. Il est pas dans mon top 10, mais franchement, j'ai adoré. Et toutes les patounes qui étaient là ont adoré aussi. Je crois que soit t'es tombé dans les pop-corn, soit t'étais pas dispo, je sais plus. Dure journée. Ah, bah moi je disais journée longue, fastidieuse, mais pas dure. Donc voilà. Et pourquoi, pourquoi dure journée, Julia? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des trucs en particulier ou juste... Putain, je sais pas quoi il me sert le canard, si quelqu'un veut me dire. Après, je pourrais peut-être le découvrir. Si, mais j'étais en lurk, mais j'avais tout suivi. Mais perso, j'étais pas fan des graves. Ah oui, ah c'est marrant. C'est marrant les... moi j'ai... à part si c'est vraiment pas beau, mais alors je dis ça décorrélé de toi, hein. Mais moi, en tout cas, venant de moi... À part si c'est vraiment pas beau, genre ça bave, ça fait mal aux yeux, c'est dégueulasse, ça craint et tout, un style de graphisme ne me repoussera jamais. C'est-à-dire que, tu vois, le jeu auquel on joue, c'est pas un... Oh, encore que si, j'aime bien. J'adore même. Non, mais enfin, je sais pas, Toem, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir ça souvent, en plus en noir et blanc et tout, mais une direction artistique ne me rebutera jamais. Voilà. Que je voulais dire. Parce qu'en fait, je pense que je cherche plus le fond que la forme, même si la forme m'importe. Mais tu vois, je peux jouer à des jeux en pixels, je peux jouer à des jeux... j'ai toujours joué à des jeux Nintendo, et ils sont pas les plus réputés pour faire les plus beaux jeux. Voilà. Pendant ma période, j'ai l'impression que ça sert à rien. Ouais, putain, c'est... C'est comme la période de jeux, on a envie, on n'a pas envie, hein. C'est par période et j'en suis désolé que t'en aies aussi. C'est vrai que j'en ai de temps en temps et ça m'insupporte et du coup je live pas parce que j'ai l'impression d'être nul. Donc j'espère que t'es plus dans cette période là, Serenity. La fatigue est d'histoire de collégienne à la cour. T'es en quelle classe? En quatrième, c'est ça? J'espère que tout ira bien, que tu sortiras vite du collège, de cette jungle. Moi, si le dessin me plaît pas de ouf, je jouerai pas. En revanche, le regarder m'a bien plu.
D'accord. Bon, bah, tant mieux, c'est le plus important. Mais, ok, toi, il faut que ça soit, il faut que vraiment que ça soit à la hauteur de ce que t'attends. Mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Troisième, hâte de sortir. Ah putain, troisième, bah, il te reste un mois et demi. Allez, il te reste un mois et demi. Non, je suis dans un beau mood en ce moment. Surtout avec la journée porte ouverte, je me suis senti super utile. Ah bah, super, trop bien. En plus, tu vas te préparer et tout, tu vas te sentir belle, donc c'est bien. Est-ce que je peux t'aider? Je vais te donner... Ah, je vais te donner quelque chose pour la collection. Trop bien, bah tu nous raconteras demain. Ah oui, au fait, les patounes, j'ai des nouvelles de Greg. Il est en Grèce. En fait, c'était Greg qui m'écrivait hier, enfin qui m'envoyait des messages, c'était pas sa copine, c'est juste que son téléphone y chargeait. Et du coup, il est en Grèce. Et il est bon, voilà, il est pas dans... Bah justement, il est pas dans un mood top. Donc on verra plus tard. Ça va, toi? Regardez qui est là. Ça va, mon amour? Tu viens dire bonjour au patoun, c'est ça? Du coup, on attendra pour le... Moi, en tout cas, faites comme vous voulez, mais moi, je regarderai quand on sera sur YouTube. Il va remonter le Pierre Gendre. Il va le remonter pour une version YouTube. Et du coup, je la regarderai sur YouTube, avec vous ou pas, mais je la regarderai sur YouTube. Donc plus tard. J'ai envie de regarder ce qu'il veut que je regarde, plutôt que ce qu'il veut pas. Je vais essayer de manger, je reviens vite à toutes. Un mois et demi et un brevet, oui, c'est vrai. Bah, courage par avance. Hein. Bonne app, Julia. Bonne app, à toutes. C'est ça, et comme je peux pas critiquer un jeu qui est sûrement très bon, je ne veux pas y jouer pour être déçu et mauvaise, mais j'aurai une belle critique pour le gameplay. Ok, non, très bien, ok. Très très bien. Mais pourquoi je peux... Ah. T'as regardé un film hier dans le chat ? C'est pas facile, hein. Échouer ici sans aucun espoir de secours avec des esprits pour seule compagnie. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Je te le fais pas dire, Matelot, je te le fais pas dire. La patience, kiou ! La patience est le plus difficile des défis. Dans la vie, la seule chose qui m'a toujours aidé à traverser la grisaille, c'est un bon grog. Bah pourquoi pas ? Si tu veux te teaser la gueule. Faut que je te défende. Tu reviens nous voir, mon chat ? C'est ça ? C'est ça que tu veux ? Tu veux revenir nous voir ? Mon petit amour de chat ? Mon chat ? Hein ? Lui, j'ai pas encore la noisette, je pense. Faut que j'aille acheter du sel, une pièce entière. Ok, pourquoi pas. Ah mince, mais à chaque fois, je... Je vois que tu t'attaques au buisson de l'île, petit être. Est-ce que ça m'énerve? Non, pas du tout. À l'image des oiseaux mangeurs de fruits et des abeilles suceuses de nectar, tu n'es qu'un pion dans la grande guerre des ressources menée chaque jour par les armées silencieuses de l'herbe, des arbres et des racines. Allons, va, petit être, et découpe ces buissons épineux et florissants, ces mauvaises herbes, comme tu les appelles, et reviens me donner ce qu'ils auront produit. Que de souvenirs de revoir l'histoire au début. Ah oui, bah, trop bien. Tu avais beaucoup joué Diablinte à ce jeu? Combien de temps? Bon, et comment tu vas toi? Et comment va Monsblinte? Qu'est-ce que tu racontes? Ton poignet, tout ça, ça va mieux? T'es revenu à la vie normale? Depuis le temps? Je sais pas, ça fait plusieurs mois que t'es pas passé. J'ai regardé HPI sur TF1, j'adorais. Ah oui, Audrey Fleurot. Alors c'est bien HPI? J'ai pas testé. Et apparemment c'est un succès phénoménal. Après, est-ce que c'est vraiment bien, je sais pas. Mais 10 millions de spectateurs hier pour le retour. Donc bon. Avoir plus de 200 heures de jeu sur Cozy Grove et je viens de reprendre avec le DLC. Ah, il y a un DLC, bah on le prendra alors. 200 heures, ah oui, t'as bien aimé. Est-ce que je peux t'aider? Tiens, revoilà l'auxiliaire en poste. On m'a informé tout à l'heure qu'un nouveau colis était arrivé, une boîte de 10 kilos. Un colis de cette taille, c'est forcément un énorme objet psychique.
Est-ce que tu pourrais le retrouver pour moi? Vas-y. Hein. J'ai fait toutes les affiches explicatives à mettre aux portes des classes, tout un parcours fléché pour que les gens se repèrent plus facilement. Pliage de flyers sous forme de triptyque. Ah ouais, emballage des cadeaux pour les gagnants des concours sportifs, etc. Semaine bien crevante, mais une bonne fatigue. Ah ouais, tu peux être fier de toi. J'espère que tes supérieurs sont fiers de toi. Ah, trop bien. Ouais, t'es partante, toi. Toi, t'es une nana partante, de toute façon. Eh bah, bravo. GG. C'est sympa. C'est le genre de téléfilm qui te détend un max. Tu n'as vraiment pas besoin d'être un HP pour le regarder. Ok, très bien. Bah écoute, je regarderai ça alors. Je crois qu'en plus c'est dispo sur une des plateformes que j'ai. Genre Disney ou Canal ou je sais plus. Je sors d'une opération au coup de gauche, je suis en convalescence. Attends, mais au coup de gauche, parce que tu t'es encore cassé quelque chose ou parce que c'est lié à ce que tu avais avant? Mons Blonde va bien, il prépare son entrée au collège l'année prochaine. Trop bien. Trop bien. Et ça va, il le sent bien? Et c'est cool s'il va bien, bah tu lui passeras le bonjour de ma part, à moins qu'il soit là, et dans ces cas-là, bonjour Mons Blunt. Alors tu as réussi à nourrir ton animal fantôme? Tu as bon cœur. Petit conseil, plus l'animal est heureux, plus il produira d'essence. Place-le dans une zone bien éclairée et entoure-le de choses qu'il aime. Mon animal fantôme, c'est qui? C'est le petit canard qui me suit ou c'est le corbeau qu'il faut nourrir à côté du feu? Salut, scout en herbe. Ah, la bonne blague, j'étudiais un peu l'histoire de l'île sur laquelle tu te trouves. Figure-toi qu'en fait, tu devais aller à Cozy Cove. Les scouts à l'écoute, ils sont depuis des générations pour leur séjour en solo, car l'île n'est que légèrement hantée. Je ne sais pas grand-chose de Cozy Grove, alors j'ai envoyé une requête à la direction. Peut-être qu'ils en savent plus. Attends, mais j'ai une lettre pas ouverte. C'est quoi ça? Pourquoi elle est faite? Non, c'est la suite, c'est la deuxième opération sur les quatre prévues. D'accord, ok. Ouais, dis donc, c'est un vrai programme. Hein. Courage à toi. Donc, t'es toujours chez toi? Ma directrice était super contente de tout ça, vraiment. Elle est venue plusieurs fois me demander si je m'en sortais avec tout ça. Elle était gênée parce que je disais oui à tout et que dans la journée ou le lendemain, c'était fait. Ah ouais, non mais toi, de toute façon, t'es une tornade, toi. T'es une tornade d'efficacité, j'ai l'impression. C'est ouf. Eh ben, bravo, putain. Et du coup, demain, tu vas accueillir... C'est quoi ton rôle, demain? Alors, attends. Je vais remettre des... Je vais aller voir d'abord le... Mais elle, on n'a pas eu de mission hier. Okay. Oui, on arrête pour 6 à 9 mois. Putain. Plus déjà les mois d'avant. Décidément. Ah ouais, je sais pas. Est-ce que... Ouais, bah si, il faut. Ah bah si, j'ai, regardez, une noix. Bon, vas-y, on va lui donner, comme ça sera fait. Par contre, j'ai merdé, je vais pas donner des deux. Comme ça sera fait. Au moins, je sais que c'est ok. Je donne une essence, oui, bah écoute... C'est déjà ça. Au moins c'est fait. Accueillir, diriger les personnes. Et ma directrice m'a dit, et surtout tu profites de ta journée. Ne reste pas dans ton bureau tout le temps. Ah bah toi tu vas aller vers tout le monde toi, c'est sûr. Mon fiston Titouan a trouvé une entreprise pour faire son apprentissage en maintenance informatique. Super contente. Bon, il est temps. Il a tout de même 25 ans. Mais c'est un vrai pari qu'elle va démissionner de la CDI pour faire ce bac plus 2 en apprentissage. Ah ouais. Franchement, respect à lui. Hein. Respect de fou à lui. Parce que, en gros, là, il va faire ce qu'il aime réellement. Il écoute le cœur, limite, plutôt que la raison. Mais je pense que c'est que comme ça qu'on peut réellement réussir dans la vie. Salut, petite pouce, comment ça va? Qu'on peut réellement réussir dans la vie parce que, au final, si tu fais quelque chose qui est bien, mais dans lequel tu te fais chier. Bah, tu vas pas aller loin, hein, et j'en sais quelque chose.
penser à la petite pousse. Et s'il manque des gens, je vais peut-être me proposer à faire les inscriptions aussi. Ça, je verrai si j'y vais ou non. Ok. Ok. Allez donc, grosse journée qui s'annonce. Ah. Bon, je mets des trucs ici. On verra plus tard. Encore une fois, on sait pas. Je vais mettre un autre ça. Et je vais manger, il y aura des déguisations et food truck et plus un bar. Oh, trop bien. Ah bah ça fait plaisir. Et puis c'est bah, trop bien. Ce sera gratuit pour vous ou pas? Depuis 3 ans, il faisait un job alimentaire car c'était sa compagne qui faisait ses études. Maintenant qu'elle a fini, c'est son tour. Ah, c'est drôle comme fonctionnement. C'est bien. C'est bien, bien, bien. Eh bah écoute, bah tant mieux, bravo Titon. Alors, nouveaux arrivages, catalogue d'amélioration de la boutique de luxe, 200 000. Ah oui, bah on va attendre. On va acheter du sel. C'est... Jardinière en hauteur. Ah ouais, du quartz. C'est quoi? Pellicule, une technologie antique. Amène-la à Jérémy pour recharger... Ah, c'est pour recharger l'appareil photo. C'est vrai que j'ai un appareil photo. Une lampe chauffante. Oh, trop bien, en bambou. C'est génial. Bon, pour l'instant, voilà. Putain, 200 000, ça aide beaucoup. Ah oui, et quoi? Lui, il faut quoi déjà? Attends, déjà. Je suppose qu'on aura droit à un petit quelque chose, mais s'il faut payer, ça me dérange pas d'investir dans l'établissement pour lequel je travaille, surtout si c'est pour le bien des élèves. C'est pas faux. Vu comme ça. Tout est là. Et maintenant, on mélange le tout en fredonnant ma chanson préférée. Et voilà. Oh, ça sent la cannelle. L'herbe fraîchement coupée et le soleil à la montagne. Je crois que je viens de découvrir quelque chose de génial. Non pas que toutes mes créations ne soient pas géniales. Elles le sont toutes, bien évidemment. On dirait l'autre streamer qui se prend pas pour de la merde, là. Biche sucrée, là. Mais je pense que celle-ci a quelque chose de magique. Je crois que je vais me spécialiser dans la nourriture pour animaux. Tu devrais essayer, toi aussi. Viens me voir quand tu auras envie de cuisiner quelque chose. Vas-y, hein. Pourquoi... Expire sac de graines, voilà. Cherche une tige épineuse avec 5 fleurs et coupe-la à l'aide d'une machette. Il me reste 5 heures pour trouver ça. Et pourquoi je... Pourquoi je l'ai pas trouvé? Ah, c'était ça? Punaise de sac. Attends, est-ce que j'ai des noix que j'ai données, mais... Ah bah ça, c'est nouveau, ça. J'ai participé à plusieurs événements de nos grands pour le bal Reto, les 2 dernières années. Et aussi pour les 6e primaires, pour leur voyage au ski. Ils vendent des petits trucs, donc je leur achète. C'est mignon, comme quand les petits jeunes, ils viennent sonner à ta porte pour te vendre des trucs que tu peux trouver... ailleurs. Un bagel. Vous dites bagel, bagel, bagel. Je crois que je dis bagel. Ouais, je dis bagel.
Ah mais mince, mais attends, je vais aller chercher ça, parce que maintenant il me demande des pommes, des patates douces, quoi. Carrément, quoi. Attends, alors je vais aller donner à l'autre, là. Exactement. Un big qui veut sur ta tablette 3 d'horreur, que t'en as 5 chez Action à ce prix-là. C'est exactement ça. Sacré gosse, hein, quand même. Je veux pas. Je comprends pas pourquoi. Ah oui, c'est pas le même. Mais bon, faut faire plaisir, c'est aide à partir du voyage. Oui, non, mais t'as raison, faut soutenir la jeunesse. La jeunesse qui va t'enterrer. Et qu'on aura rien à foutre de toi quand tu seras plus vieille. C'est pas loin d'être vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je vais garder. Ça, c'est quoi? Un noyer? Ah, ok. Voilà, j'ai des noix. Et ensuite... Essaye toujours d'acheter à ceux qui en ont le plus besoin. C'est bien. C'est bien, c'est bien. T'as totalement raison. Pourquoi elle marche pas, elle? C'est bizarre. Pourquoi elle marche pas cette lampe? Ah non, le bâtard il a disparu. Ah. Je vais en mettre une là. Mais ça, c'est une lampe, ça. Bizarre, ta pote. Ok. Voilà. C'est cool. Je concentrerai. Alors attendez, on avait dit qu'on prenait. Pourquoi j'ai pas eu de noix? Hop. Il me fallait autre chose, je crois, mais ça. Faire brûler n'importe quel poisson avec flamme pour obtenir ceci. Pourquoi y'a rien là? Bizarre ton pote.
j'en ai qu'un. Une loche moche, ça ira. Je brûle quelque chose. Brûlé. La pauvre. Ah, il m'en faut plusieurs. Il m'en faut 10. Super. Ok. Je brûle quelque chose. Attends. Je suis où? Mais c'est quoi ce bordel? Il est où mon truc? Il est tout en haut et on le voit pas. Ah mais regardez. J'en ai plein. Faut brûler Si c'est trop. 9. Ah bah parfait. 9. Voilà. On dirait que t'as tout, bravo. Alors voyons, un peu de savoir-faire de ranger, un soupçon de déformation fantomatique, et voilà une vraie pelle de pro. Elle peut creuser plus profondément et elle se cassera moins vite. N'oublie pas, jeune scout à écoute. Prends soin de tes outils. Et bah, t'inquiète. Donc ça commence à faire. C'est quoi ça? Oignons. Et des oignons, ok. Ça, il sert à plus rien le nid maintenant une fois qu'il a éclos. Où est-ce qu'il est l'arbre? Pourquoi je peux pas le choper? C'est embêtant un peu. Si dans le chat ou Diablin te savent, s'il reste du monde sur ce chat. Pour le canard. Quelle question pour le canard. Non, alors déjà le canard qui me suit, qu'est-ce que je peux faire? Et surtout ça. Est-ce que je le laisse une fois que l'œuf a éclos ou j'enlève? Après, je pourrais découvrir par moi-même, mais j'aime bien quand j'ai des infos. J'ai tout? Ah, c'est bon, j'ai. Trop bien. Ah oui, voilà, il y en a peu, mais attends de voir la prochaine saison. Tiens, prends ceci en gage de ma gratitude. Eh ben, c'est génial ça. Les canards donnent leur nid, même s'il reste la coquille. Ah ok. Très bien.
Super GK Radius, lui, c'est un nouveau. Julia, t'as mangé? Les canards ne servent à rien, ils te suivent juste où je n'ai pas encore trouvé leur utilité. Ok. Ils sont mignons, quoi. Attendez, parce que j'ai froid. Je vais mettre un jogging, je suis en short et un pull. En vrai, il fait pas si chaud, hein. Pas grand chose, mais j'ai mangé. Bon, bah écoute, tant mieux. Mince. Il y a pas longtemps qu'on a les canards, donc j'en sais pas plus. Moi, je les nourris tous les jours, ils me suivent, c'est tout. D'accord, on peut les nourrir? Je sais même pas comment. Ils sont trop mignons par contre. Du coup là tu rejoues à Cozy Grove dans le chat de ton côté. Colis mug à grog. Bon, ça je sais pas, il va falloir que j'ai. Tu leur donnes des petits pois verts, mon dieu, à la personne bizarre sur la plage. Ah, d'accord. On essaiera. Ou ça sent que dans l'eau. Non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, j'y joue plus depuis le début de la semaine. Depuis que j'ai commencé, quoi. Ça t'a rebuté. Tu m'as vu jouer, tu t'es dit, oh non. Grosse patoune là. C'est bien qu'on puisse traverser certains objets. J'apprécie. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut. La nourriture cuisinée. Comment je fais de la nourriture cuisinée? Ah, c'est la nana au-dessus, non? Légumes verts.
Est-ce que c'est ça de la nourriture cuisinée? Je suis pas sûr. C'est de la... des crudités, ça. Alors, un mug, mais comment je peux l'obtenir? Tu as découvert l'emplacement d'une lampe majeure ancestrale. J'ai pas vu comme ça depuis des années. Ces artefacts ancestraux doivent être allumés grâce à d'autres lampes. Il suffit de les relier ensemble. Ah, c'est trop bien, faut faire un chemin de lumière. C'est trop bien. Une fois allumée, une lampe majestueuse, une lampe majeure, stabilise une zone et la rend plus sûre pour les campeurs. Tu pourras installer tes décorations, tes animaux et tes plantes dans ce nouvel emplacement. Bon, en fait, ça s'arrête jamais. La légende raconte que les lampes majeures peuvent aussi être une source de richesse pour ceux qui les allument. Je ne peux pas en témoigner moi-même, mais ça a toujours attisé ma curiosité. Trop bien. Je ferai ça. Je vais changer de look. Ça, ok. Je veux acheter. Oh! Qu'est-ce qui est à l'envers? De fou! Acheter. J'ai une banane, c'est comme moi. Casquette à l'envers, barbe, t-shirt et banane. C'est comme moi. Bonne découverte, bon live, à une prochaine fois. Merci Diablinthe, merci beaucoup. C'est cool d'avoir eu tes news. T'es le bienvenu. Je suis stylé comme ça. Un colis, peut-être que le colis ça va me débloquer un truc, genre le mug. Chenille optimiste, genre elle est optimiste, c'est aujourd'hui c'est une bonne journée pour être une chenille. Je me sens bien en tant que chenille. Ouah, ma mère a déjà terminé. Mon sac à dos est plein. Sac à dos, sac à dos. A donné, super, on adore, bravo, bravo, franchement bravo. Et donc vous êtes pas bavard hein, ce soir. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait que certains. L'inventaire est plein, putain. Sorry. Recherche PC. Tu recherches ton PC à toi ou tu regardes ce que tu peux acheter comme PC? Il va bien aimer ça. Il est content. Je t'ai parti donner à manger à Belle. Elle va bien ?
On va améliorer la tente. 50 000. Là où je regarde ce que je pourrais prendre, j'arrive pas à lâcher l'affaire du HP Spectre. Je te comprends hein, quand tu veux quelque chose. D'ailleurs, moi, ma nouvelle lubie, c'est d'acheter une nouvelle chaise pour ça. Je pense que je vais la revendre, celle-ci, et je vais acheter une normale de bureau de très bonne marque, mais en occasion. Genre celle dont je vous avais parlé, les Herman Miller, mais les Herman Miller, elles coûtent 1500 balles. Je vais en prendre une d'occasion, genre à 500 ou 600, je sais pas. Enfin, c'est déjà ultra cher, mais pour le dos, c'est important, vu comme je suis cambré. Voilà. Je pense que ça améliore pas grand chose. Hein. Donc, je te comprends pour ton HP. On est pareil quand on veut quelque chose. Ah, mais laisse tomber. Quand je veux quelque chose. Si je l'ai pas, ça va pas. C'est n'importe quoi. Je vois pas ce que c'est amélioré à part l'extérieur. Ouais, mais les chaises dont tu parles, elles sont garanties 12 ans si je me trompe pas. 12 ans, voire à vie certaines. Et en plus, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est pas pour m'auto-persuader, mais apparemment, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Enfin, t'es sûr d'être bien installé. C'est ce qu'on peut faire de meilleur, quoi. Elle va très bien. À cette saison, la porte-fenêtre est ouverte tout l'après-midi, donc elle vit sa vie entre le jardin et la maison. Ah bah, trop bien. C'est quel kiff. Tu mets pas souvent de photos d'elle sur le Didi. Il va être content, lui. Si je lui fais de la nourriture cuisinée, là, il est à... Comment je peux faire pour faire... Là, il demande de la farine, j'ai l'impression. Comment je peux faire pour lui donner ça? Je lui donne... Tu vois, il demande de la farine ou des grains. La nourriture cuisinée, je fais quoi? Parce que là, il a 3 cœurs. Il va être ultra content. Il va me donner v'là les trucs. Ici, le PC, c'est un caprice sans lettres parce que le mien se ferme de moins en moins bien et j'ai peur qu'un jour il grille bien. Oui, tu nous en avais parlé la dernière fois. Non, mais bien sûr, c'est pas indispensable, mais ça peut le devenir. Plus vite qu'il n'y paraît. Si dans le chat, t'as la réponse à la question de la nourriture de l'oiseau fantôme, je suis preneur. Il y a tellement de jalons, en vrai. C'est fou. Décidément. Ils sont tout optimistes. Toujours pas trouvé le colis. Hein. Et voilà, c'est ça le problème. Parce que tant qu'il va, tant mieux. Parce qu'il va vraiment bien pour un portable qui a plus de 5 ans. Ah ouais, 5 ans. Celui qui a tenu plus longtemps. On dirait que tu parles d'un mec, tu sais. Mais le jour où il grille, je perds mon petit travail, mon compagnon de jeu de détente. Ah ouais, bah ouais. Et là, dans ce cas-là, faudra réagir vite. Bah, potentiellement, attends encore au moins... Ah non, c'est quand les soldes en Belgique? Parce que fin juin, il y a les soldes en France, donc au pire, tu commanderas en France. Je crois que tu l'obtiens en brûlant des noix, mais pas sûr. En fait, moi, je brûle tout au fur et à mesure, donc je sais plus. Ah, ok. Faut demander à l'ours cuisinier. Oh, ok. C'est pas bête ce que tu me dis.
Juillet? Ok. Bah, limite, attends les soldes de juillet. Franchement, il te reste 2 mois. Je sais pas. Après, je sais ce que c'est hein, de vouloir. Logiquement, j'ai mes congés payés fin juin aussi. Ah, bah. Parfait. Mais pourquoi tu brûles tout au fur et à mesure dans le chat? T'as raison. Poudre de fruits, c'est grillé. T'as tellement raison. T'es tellement forte. Ah, là, il va, et là, il est content, il a 3 cœurs. Il va kiffer sa race, regarde. T'as vu comment il kiffe? Regarde comment il kiffe, il me donne un œuf. Il me donne de l'essence et tout. Il kiffe sa race. Photo de Belle sur le Didi. Ah, trop bien, j'ai regardé. Ça tombe pile poil bien. Tu m'étonnes. Car ça donne des trucs qui sont utiles. Ok. Faut qu'il y ait des seuls trucs que je... Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux ce que tu dis. Ok, bah je vais essayer de griller des trucs alors. Je vais brûler des choses. Genre ça. Genre ça, genre ça, genre ça. On va tout essayer. Hein. Ah non, ça m'a fait un... Pourquoi 9 légumes? 3 champignons. Pourquoi? Pourquoi ça m'a donné 9 légumes? Bon, tant mieux. Et ça, par exemple, je peux aller le donner. Je peux garder et le donner. Les hauts de gamme sont pas les premiers soldes. Bah oui, mais ça fait déjà plusieurs mois que tu lurques dessus. Que tu lorgnes dessus. Donc... Allez, je lui donne un œuf, comme ça sera fait. J'aime les trucs cuisine. J'en ferai d'autres des photos. Mais déjà, c'est pas trop mon truc. La photo est belle, faut la prendre quand elle est fatiguée, car elle bouge pas mal. Ah, c'est une... Toi, t'es fatigué, mon chat? Toi, t'es un petit chat fatigué, toi? Oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime. Il me suit, hein, il est à côté de moi, il se met à côté de moi. Oh, mais le haut de gamme en 2T 32 Go. N'est plus dispo ni en magasin ni en ligne. Oh, horrible. Quand tu veux un truc et qu'en fait il l'est plus. Oh. Je sais ce que c'est. Bah, ouais, ok. C'est une concession, mais... Mais bon. C'est bizarre, quand même, parce que l'île est pas si grande pour le moment, et je trouve toujours pas les trucs que je cherche. Genre le colis. Ça fait déjà 100 tas de feuilles, putain. Une étagère à matériaux, ah bah ok. Et ça, on verra, mais je sais pas. Et lui, j'arrive toujours pas à le prendre. Ah bah c'est là. 400 euros de moins aussi, ça joue. Mais je verrai surtout quand j'aurai les sous en poche. Ouais, c'est clair que ça fait vraiment la diff. Faut se poser la question et bon, après, si t'es comme moi, tu vas pas réfléchir longtemps. Ok, j'ai 400 euros, bah c'est bon. Tiens, voilà une surprise, ce colis m'est adressé. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est super lourd, je me demande bien ce que ça peut être. J'espère que c'est un cadeau de ma femme et de mes enfants. Peut-être un énorme presse-papier maison. Oh, c'est un ballon de foot.
Pas étonnant que ce soit si lourd. Les ballons de foot sont pas censés être légers. C'est exactement ce que je me disais. La plupart des ballons de foot ne pèsent pas plus de 450 grammes, mais le mien est légèrement différent. Tu sais, je reçois toujours des colis bizarres. La semaine dernière, c'est une boîte remplie de griffes d'ours tachées de sang. C'était. D'ailleurs, ça me touche pas, mais là, d'habitude. En tout cas, merci pour ton aide. Je crois que j'ai besoin de rester seul un moment. Ça me laisse 2 mois pour encore regarder et peut-être trouver une autre perle. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut se dire. Et comme ça, tu te sentiras pas bête d'avoir acheté sur un coup de tête. Il n'y a plus de bûches. Ah bah d'accord. Et ça alors? Plusieurs fois, attendre plusieurs jours. Ah ok. Ah bah ça y est, c'est. On arrive enfin au jour qui dure 1 heure. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue un peu, on le chill ou on va sur Sémantics? Ni bête ni blasé pour la somme dépensée, c'est ça. Sémantics. On peut faire Sémantics. On peut faire Sémantics. Juste pour... voilà. Juste pour le... Non, c'est pas ça que je vais faire. Pour le replay, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la fin. Et je vais revenir. Désolé, j'étais en lurk-tree. Pas de soucis. Bah je reviens dans 1 minute. Je mets l'écran de fin et je reviens. Merci à tous d'avoir suivi les patounes. Gros bisous.